Nous allons lire dans Matthieu 24, 1 jusqu'à 15. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation contre une autre. Un royaume contre un autre royaume. En divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Telle est la pensée du Seigneur pour ce matin. Nous sommes toujours dans notre mois et je crois que c'est le dernier dimanche où nous parlons sur les dons et le courage. Mais en quoi est-ce que ce message concerne les dons et le courage? Je parlerai du courage peut-être à la fin. Mais dans ce texte, Jésus a donné cela pour un texte qui est classé dans les textes eschatologiques. Pour ceux qui prêchent le dernier temps, la fin du monde. L'Église utilise ces textes pour montrer comment est-ce que Jésus a prévu la fin du monde. Et nous sommes dans un temps où le monde est en train de courir ces dernières heures. Amen. Le monde est en train de parcourir ces dernières heures. Et parfois, des chrétiens, quand nous venons à l'église, on se pose des questions. Peut-être pas mon voisin, ou bien peut-être moi, je me suis posé des questions. Quelle est la finalité de ma conversion? Depuis que je me suis converti, quelle est l'idée? Certains, après s'être convertis, ils vont se fatiguer. Ils ont comme l'impression que la vie chrétienne est une monotonie. Certains peuvent dire, nous, quand on était, quand on s'est converti, tant que Et pourquoi aujourd'hui ils ne veulent plus prier? Là où je travaille, je connais un collègue qui était même un évangéliste.
Aujourd'hui, il est un païen tout fait. Un païen tout fait. Il a conduit des gens à recevoir Jésus. Quelle est la finalité de sa conversion? D'autres se posent la question. Quelle est la finalité de ma foi? Quelle est la finalité de mon ser? Depuis que je suis venu à l'église, c'est pour quelle finalité? D'autres viennent à l'église pour avoir un titre, je ne sais pas. Il peut commencer par caporal jusqu'à atteindre maréchal. Et il dit que tout est accompli, toutes les grades je l'ai. Et quand parfois les titres ne viennent pas, il peut se décourager, aller dans d'autres églises. Parce que pour lui, sa finalité, c'est de monter des titres à l'église. D'autres viennent à l'église pour la célébrité. Ils se convertissent pour la célébrité. Être connu dans les mondes. D'autres viennent à l'église. Viennent dans le Seigneur. Pour gagner ou réussir dans la vie. Réussir au Congo, c'est difficile. Je dois prier gêné pour prospérer. Je dois prier pour prospérer. Et parfois, quand la prospérité arrive, le zèle disparaît. Le zèle diminue. Quand le voyage arrive, la personne peut perdre la foi. Commence à vivre comme un païen. Parce que la finalité de sa foi est arrivée. D'autres encore, ils se convertissent, ils sont zélés à l'église. Pour se sécuriser face aux ennemis spirituels. Il est dans une famille où la sorcellerie est là. Il est dans un milieu où l'occultisme est là. Et il a besoin de se sécuriser. Raison pour laquelle il entre retraite après retraite. Retraite après retraite. Le jour se rendra compte qu'il a dépouillé, il a vaincu la puissance occulte. Qu'il a maintenant la prospérité. Il est dans un niveau top. Cette personne peut perdre la foi. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Quelle est la finalité de ta foi? Alléluia. Quand tu ne sais pas répondre à cette question, ta vie chrétienne aura des difficultés. Dans le texte qu'on vient de lire, il y a éléments qui m'a touché ce soir et ce matin que j'aimerais qu'on puisse partager. Jésus était vers les dernières heures de son ministère sur la terre. Il va donner un message sur les temples. Temple à Jérusalem. Quand les disciples enviaient ces temples, il a dit, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas si c'est dans ces temples. Pierre après pierre. C'est... Et cette prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui, dans ce temple, c'est tout est renversé. Et la prophétie s'est accomplie dans l'an 70. Où les Romains ont pillé et ont détruit ce temple. Mais il dit aussi une de vérité qu'il va revenir. Jésus qui est parti va revenir. Ça, c'est l'évidence de la parole. Que Christ qui est parti, il reviendra. Deuxième vérité, il dit que le monde a une fin. On parle de la fin du monde. Ce monde dans lequel nous vivons aura une fin. Ce monde n'est pas éternel. Ce monde n'est pas pour toujours. C'est pas toi, c'est pas moi qui avons commencé ce monde. Les gens qu'on a trouvés dans ce monde, certains sont partis. C'est lui qui m'a mis au monde est parti. C'est lui qui t'a mis au monde, c'est parti. Le président, le premier président de ce pays est parti. Kassavu n'existe plus. Peut-être demain toi aussi tu ne seras pas là. Mais en dehors de toi, ce monde aura une fin. Troisième vérité, que Jésus pour venir, il y a des signes
atteste son arrivée. Et ces trois choses, nous allons les partager ce matin. Dans la première chose, Jésus reviendra. Alléluia. Dans ta foi, tu dois être sûr. J'ai pris parce que je sais que Jésus reviendra. Je suis converti, j'ai la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Il y a des anges qui ont dit que Jésus reviendra. Dans Actes 1, verset 9 à 11. Actes 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, homme galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Les anges ont dit que Jésus qui est monté, il reviendra. Les anges ont confirmé ce message. Et je sais que les anges disent la vérité. Que c'est Jésus qui est monté, il reviendra un jour. Les anges l'ont attesté. L'apôtre Paul l'a confirmé. Il a dit, il a enseigné que Jésus reviendra. On peut dire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens verset 4. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc nous, pour concernant l'avènement du Seigneur, Jésus viendra, le Seigneur reviendra. Pourquoi tu pries? Est-ce que tu pries par rapport à cela? Est-ce que tu pries par rapport à cet avènement-là? Ou tu pries pour autre chose? Alléluia. C'est une vérité que tout et moi, on doit comprendre. Celui qui est parti reviendra. L'apôtre Jacques le confirme. C'est l'enseignement du Nouveau Testament. C'est l'enseignement du Nouveau Testament. Dans Jacques 5, chapitre 5, 8 à 9, soyez patients. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez les uns des autres. Afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. L'apôtre Jacques a dit que Jésus va venir. Il insiste que son avènement est proche. Pas à vous plaindre, à vous entrecuser. Et les gens qui ne savent pas aller dans la foi, qui ne savent pas grandir, parce qu'ils n'accusent que les autres, ils n'accusent que l'église. J'étais malade, on n'est pas venu me chercher. J'avais des besoins d'argent, on ne m'a pas donné l'argent. Je suis venu, on m'a mal accueilli à l'église. Tu continues à te plaindre. L'apôtre Jacques dit, cessez de pleurnicher. Mais sachez que Jésus vient. Quand tu sais qu'il vient, les autres sont accessoires. Ne rate pas l'avènement du Seigneur. Et quand il vient qu'il te trouve prêt, quand il vient qu'il puisse se trouver en train de l'attendre, l'apôtre Pierre a parlé de l'avènement de Jésus. Il a dit que Jésus viendra. Dans 2 Pierre
2 Pierre chapitre 3 à 4. Sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement, où est son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le verset 8 dit ceci: mais il est une chose bien aimé que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. On dit que il viendra. Si aujourd'hui, certains se moquent, ils disent que ce sont des choses qu'on a inventées. Ce sont des choses qu'on a dit pour pousser les gens à avoir la peur. Pierre a dit que dans le jour, il y aura beaucoup de moqueries là-dessus. Ils vont se moquer de l'avènement de Jésus. Ils se moqueront de l'espérance des chrétiens. Mais sachez que tu viendras comme un voleur. Le jour qu'on vient te voler, ça paraît normal. Tu t'attends pas à ce qu'on puisse te voler. Le jour où on t'a volé le téléphone, ça paraissait normal. Tu t'es levé normalement. Tu ne savais pas qu'aujourd'hui, je vais perdre mon téléphone. Ça sera même aussi avec l'avènement de Jésus-Christ. Il vient comme un voleur. Le jour. Ça ne s'attendra pas à ça. Ça peut être au début de la Coupe du Monde. Ça peut être au début d'un film que tu aimes bien. Ça peut être au début de ta fête du mariage. Tu n'y attendras pas. Tu n'auras aucune intention sur ça. Il viendra comme un voleur. Ça sera peut-être pendant que tu paies l'argent pour ta voiture. Tu attends payer pour démarrer. Pendant que tu payes, Jésus arrive. Ça sera comme un voleur. Sois conscient de pourquoi tu commences à prier. L'apôtre Jean a vu cela. Il parle de l'avènement de Jésus Christ. Dans 1 Jean 2, 28. L'apôtre Jean est en train de parler de l'arrivée de Jésus Christ. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que l'autre qu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et que son avènement ne, que à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurons à lui pendant qu'il va arriver. Que ta foi soit attachée à Jésus. Demeure dans sa parole. Demeure dans sa communion. Tu sois ta priorité. Parce qu'il viendra. Et il vient pour juger. Il vient pour juger. Tu paies la facture de la régie des eaux parce qu'elle t'a donné de l'eau que tu consommes. Et à la fin, tu dois lui rendre des comptes. Le compteur doit dire que tu as consommé autant, tu dois rendre comptes. Tu paies la SNEL parce que nous consommons le courant. Ainsi, frère, la vie que tu as en toi, ce n'est pas une vie que tu t'es reproduite. Il y a un créateur qui créé. Il y a un créateur qui t'a nommé. Il y a un créateur qui a dit sois. Et ce créateur-là, de même que
paie la snelle, de même que tu paies la régie des eaux, le Créateur te demandera de rendre compte. Parce que ta vie lui appartient. Il viendra. Demeurons à lui. J'en parle aux chrétiens. Attachez-vous à lui. Pour que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Parce que dans son apparition, il y aura des confusions. D'autres vont crier. D'autres vont être confondus. D'autres vont être dévoilés. D'autres seront confondus. Mais que soyons attachés à lui. Parce que lorsqu'il viendra, que nous ayons de l'assurance. Jésus lui-même, il a parlé de son vêtement. Il a dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Apocalypse 22. Jésus lui-même a dit qu'il est en train de venir. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. La parole de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui le garde. Le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est suyé s'essuie encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres qui aiment la télé plus que Dieu, qui aiment l'argent plus que Dieu, qui aiment les habits plus que Dieu, qui aiment les vacances plus que Dieu, et quiconque aime et pratique les mensonges. Dehors les chiens. Jésus dit, je viens bientôt. Que c'est lui qui fait les mains qui continue. C'est la première fois que je vois Jésus encourager quelqu'un à faire le mal. Parce qu'on t'appelait, je ne vais pas entendre. Continue à le faire. Ici, il enseigne. Que c'est lui qui se suit encore. Tu as puissé à copine, c'est bon, vas-y. Tu vis dans l'impureté, vas-y. Mais moi, je viens te kokutana. Avec tout œil. Tout œil me verra. Toute langue me parlera. Je viens bientôt. Pierre l'a parlé. Jean l'a dit. Jacques l'a dit. Paul l'a dit. Les anges l'ont dit. Christ lui-même l'a dit. Dieu le Père l'a dit. Alléluia. Amen. Donc ces choses sont des évidences. Sont des évidences. Que ce monde, alléluia, Amen, verra Jésus. Quand tu viens à l'église, as-tu cette assurance-là qu'un jour tu vas le voir? Non, tu ne comprends pas. Si tu avais compris ta manière de vivre la chrétienté, tu ne vas pas la mener comme tu la mènes. Ne viens pas chercher les titres à l'église. Ne viens pas chercher la prospérité à l'église. Ces choses sont bien. Dieu peut donner les titres, Dieu peut donner la prospérité. Dieu peut donner la célébrité. Dieu peut te sécuriser. Dieu peut te protéger. Mais ce qui est plus important, c'est quand il viendra, qu'il te raconte parmi les gens qui sont de son camp, qui te voient parmi son peuple, l'avènement de Jésus, on peut le voir dans la Bible, on peut le comparer à plusieurs choses. Quand Moïse est descendu, il est redescendu en Égypte. Ce n'était pas pour les Jésus égyptiens.
C'était pas pour les Égyptiens. Il est descendu pour prendre son peuple. Et aller à la terre promise. C'est l'image de ce que Jésus va faire. Moïse était en Égypte. Il est sorti, il est parti. Jésus était dans les mondes. Il est monté vers le Père. Le Père a envoyé Moïse. Redescend pour prendre mon peuple. Jésus reviendra encore dans les mondes. Pour prendre son peuple. Il jugera Pharaon qui est le diable. Il prendra ceux qui sont à lui, ceux qui sont lavés par le sang. Sur le linteau, on a mis le sang de l'agneau. En Égypte, on a mis le sang de l'agneau. L'ange de la mort est descendu. Pour dire qu'à la voix de l'ange, de l'archange, il va sonner la trompette. Ça sera l'archange. Mais en Égypte, c'est un ange qui descendait avec la mort. C'est ce qui s'est fait avec les Égyptiens. C'est ce qui arrivera avec les chrétiens. Moïse a dit ceci. Dieu va vous susciter un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Et même lui, il a libéré son peuple. Jésus viendra pour libérer son peuple. Nous ne sommes pas éternels. L'église n'est pas éternelle. Il y aura un jour, tu viens ici, il n'y a personne. Tout le monde est parti. Jésus est venu. Tu viendras en ce lieu. Tu seras seul à l'église. Parce que tous ceux qui prient en esprit en vérité ne seront plus dans leur maison. Ce matin, j'aimerais te dire en ce lieu, ne prie pas par aventure. Ne prie pas par hypocrisie. Ne prie pas pour faire plaisir aux hommes. Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu connaît ce qui lui appartient. Es-tu parmi ceux qui lui appartiennent? Si tu pas appartiens à Dieu, il a dit ceci. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Je connais qui lui appartient. Je connais qui est à lui. Peut-être que le passé ne connaît pas. Peut-être que tu es sorcier en ce lieu. Peut-être que tu es voleur en ce lieu. Peut-être que tu es criminel en ce lieu. Je ne connais pas. Mais le vrai berger, celui qui dépasse l'eau, il sonne le cœur, le rein. Il connaît qui tu es. Quand il viendra, et personne ne peut se cacher. Es-tu prêt à les rencontrer? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Jésus, c'est le mari de l'église. L'église, c'est son épouse. Quand il part en voyage, Papa Christ est parti en voyage. Il a laissé sa femme quelque part. Et il l'a laissé à louche quelque part. Elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est ce que Jésus a fait. Il t'a racheté. Il t'a épousé. Il part en voyage. Il te laisse quelque part. Il te laisse dans cette lumière. Il te laisse à la bord dans sa belle famille pour qu'on te surveille. Nous sommes à l'église pour attendre son avènement. Ce qui est au bas la main, tu ne dois pas vivre n'importe où. Un chrétien né de nouveau ne doit pas manquer une église. Il doit avoir une église chrétienne où il confesse sa foi. Il confesse sa foi pour attendre Jésus. Nous venons à ce lieu après dimanche parce que nous nous attendons à quelqu'un. Nous venons pour édifier notre foi. Nous venons pour nous encourager. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour la communion fraternelle parce qu'il viendra. Nous sommes dans la belle famille, la belle famille de Jésus. C'est son église. Il l'a sanctifié. Tu sois à la bonne place. Mais est-ce que seras-tu parmi ceux qui seront enlevés? Alléluia. L'Ancien Testament parle d'Élie. Élie qui est parti. Qui a été enlevé. C'était une preuve que les chrétiens seront enlevés. Et Enoch a été enlevé. C'est une preuve que le Christ sera enlevé. Le témoignage des deux personnes sera accepté. Élie ont été enlevés. Toi et moi, nous serons enlevés si tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament révèle ces choses. Deuxièmement, il parle du monde qui a une fin. Je serai avec vous, a dit Jésus. Matthieu 28, 20.
Matthieu chapitre 28 verset 1. Je serai avec vous Nakuzanabino. Jusqu'à la fin du monde. Jésus savait que ce monde a une fin. Ce monde a une fin. Ce monde, dit à ton voisin, ce monde a une fin. Tout ce qui est alpha a une oméga. Tout ce qui a été créé a une fin. Tout ce qui est né a une fin. Le monde qui a été créé a une fin. La fin du monde devient de plus en plus certaine. Déjà, aujourd'hui, il y a des armes. Les armes nucléaires dans l'armement qui peut détruire un continent. Voilà pourquoi l'Amérique est en train de déranger l'Iran. Voilà pourquoi l'Amérique a dérangé la Corée du Nord. Bongo Amérique tungisi Corée du Nord. On ne veut pas que n'importe qui puisse fabriquer les armes chimiques. Toni Banigier. Batonion se voit ça là bas armes chimiques. C'est pas tout le monde qui doit avoir une bombe atomique. Les gens à Batonion tout ce qu'ils ont une bombe atomique. On peut la jeter en RDC, l'Afrique va disparaître. Ce qui va boire qui en RDC ma belle balouki. Aujourd'hui il y a déjà des bombes qui peuvent détruire la terre. Les gens à bas bombe ko. Si l'homme peut produire quelque chose, il peut détruire le monde. Comment on ne croyait pas quand Dieu dit que le monde aura une fin? Aujourd'hui déjà la mauvaise gestion de la planète. Il y a des conférences par-ci par-là avec les écologistes qui parlent comment est-ce que la couche d'ozone est en train d'être détruite. Et si l'homme ne gèle pas le monde, le monde risque d'être calciné, la terre sera calcinée par des rayons de soleil. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des climats qui varient. Pendant un moment donné, à tel mois, il n'y avait pas de pluie. Aujourd'hui, la pluie au mois d'août. Dans les temps anciens, la pluie quoi comme de septembre. Aujourd'hui, on peut voir pendant la saison sèche, moi et Makasi Moulungé. Parce que le monde est changé. La couche d'ozone. La technologie, la fumée où on fabrique des voitures, comme on a chanté sur les voitures. Quand on fabrique des voitures, des fumées qui montent, ça détruit la couche d'ozone. Il y a des conférences par-ci par là dans le monde pour dire que, attention, on est détruisé par notre monde. Il y a des riches aujourd'hui qui sont prêts à acheter une portion de partie dans la lune. On commence à vendre des terrains à la lune. Il devient certain, évident que ce monde sera détruit. Des multimillionnaires qui peuvent acheter pour garantir leur sécurité. Le monde aura sa fin. L'Ancien Testament a donné des preuves. Dieu a détruit Sodome à l'époque de Lot. C'était toute une ville qui a été détruite. Noé à son époque. La terre a été engloutie dans l'eau. Tout le monde était englouti. Dieu n'a pas eu pitié de que la terre soit engloutie. Les témoignages des deux. J'ai parlé de Moïse, de Élie et d'Enoch. J'ai parlé de Sodome et de Noé. Les témoignages des deux pour dire que Dieu va détruire le monde. Que chacun puisse tirer sa leçon pour mettre sa vie en ordre. Car ce monde n'est pas éternel. N'investis pas pour le monde seulement. Investis pour après monde. J'ai aimé ce que Dom a mis sur son Facebook, sur le mur. On dit qu'on vit une seule fois. On vit une seule fois. Voilà pourquoi il faut jouir. Mais fais attention, on meurt aussi une seule fois. Il faut se préparer. On ne meurt pas deux fois. On ne meurt qu'une seule fois. Alléluia. On ne vit pas qu'une seule fois. On ne meurt aussi qu'une seule fois. Ce que y est le bagaté. Alléluia. Tant que yaka. Et le baka. Et la kakate. Et le bagaté. Prépare ta mort.
bongisa kufana yo. Na pourquoi c'est un meurtre mon refonga ma ah de aka mandel we ah. Abi magite. Donc s'attendez pas donc surprendre un gars. 20 aussi côté. On meurt une seule fois. Ba kufa kamba na moko. Troisième élément que Jésus donne, que nous tirons dans ce texte, il dit qu'avant qu'il puisse arriver, il y aura des signes. Il dit faites attention. Parmi les signes, il dit que personne ne puisse vous séduire. Une des choses qui arrivera avant qu'il ne vienne, la séduction dans le monde. La séduction. Le verset 12, il parle de l'iniquité. Verset 12, ma bé. L'iniquité va s'accroître. Ma bé kokola. Qui pense que l'iniquité s'est accrue dans le monde? Nana zone de misa ma bé c'est koli makasi amokili. Qui pense que l'iniquité s'est accrue? Nana zone de misa ma bé koli makasi amokili. Macron, le président français. Macron mokonzi à France. Il a annulé la loi du viol. Tu peux coucher avec un enfant de 4 ans, tu peux coucher avec une fille de 5 ans, ça ne sera plus un viol. Tu dois démontrer que c'est un viol. On ne t'arrêtera pas. C'est une loi qui a été votée en France. Aujourd'hui, l'avortement n'est plus... plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus un crime. Quand tu parles contre l'homosexualité en Europe, on t'arrête. Ce qui s'est fait à l'époque de Sodome, c'est plus un crime. Il y a des choses, l'iniquité va s'accroître. Le verset 12 le dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Qui pense qu'aujourd'hui il n'y a plus l'amour dans le monde? Il n'y a plus l'amour. Ceux qui vendent les armes, ils savent que ça va détruire le monde. Mais pour un gain d'argent, ils sont prêts à vendre les armes en Afrique. Ces gens qui tuent à l'Est, ils tuent avec des armes. Qui sont ceux qui les vendent les armes? Qui sont ceux qui les livrent les armes? Ils sont conscients qu'avec ça, ils vont piller, ils vont tuer. Ils ils le font sciemment parce qu'ils ont besoin d'argent. L'amour de plusieurs va se refroidir. L'amour va disparaître. Les politiciens vont se trahir. L'amour va disparaître. L'iniquité dans le monde. L'iniquité dans le monde. La pornographie à la télévision. La pornographie à la portée de tout le monde. Dans ton appareil, tu peux voir la pornographie. Dans la téléphone, tu peux voir comment on fait l'amour. Tu peux voir tout ce qui est dans ton téléphone. Tu peux voir le culte de Satan dans la téléphone. On peut plus priver quelque chose. L'iniquité s'est accrue. Regardez au Congo. Regardez la boisson. Regardez l'ivresse. À l'époque, c'est des pères qui étaient des ivrognes. Qui étaient des ivrognes. On appelait des vieilles SS, vieilles matata, qui étaient un soulard. Aujourd'hui, ce sont des adolescents qui s'enivrent. Un enfant de 13 ans ivrogne. Moi, j'ai 13 ans, mais. Un garçon de 14 ans ivrogne. On a 14 ans, mais Milangwa. Anti-valeur. Aujourd'hui, dans notre nation, dans le monde. Dans d'autres nations dans le monde aujourd'hui, on a autorisé les mariages entre un homme et une bête. Une femme peut prendre mon mari, c'est ses chiens. Et l'État a légalisé cela. Un pays de blancs. Quand tu touches à ces chiens-là, elle te porte plainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, est-ce que c'est normal? L'iniquité s'est accrue. Quand vous verrez ces choses, faites attention. Ce sont des choses qui attestent que je viens bientôt. Et
Emmanuel Macron l'a dit, l'a confirmé. Emmanuel Macron en dimishango. C'est plus un problème. Et Asou di Kambote. On attrape ta fille dans les ténèbres, on la c'est pas un viol. Ba kangi mo na ba sangana nzoto na makasi la violité. Papa démontrer que ça viole. Voilà qui ça. Mo na loba est-ce que au boya qui après qu'on y biscuit et tanga longwe au loba qui de yolinga kiango papa. Libre arbitre. Laissez la liberté s'exprimer. Botika bon somier loba. Toi qui veux aller élever tes enfants en France, sois prêt avec cette réalité. Et à l'école primaire, on commence à montrer aux gens comment c'est, aux enfants comment se masturber dans la maternelle. On doit les éveiller à la sexualité, la masturbation, la pornographie pour ceux qui sont dans l'école secondaire. Moi, c'est Asma Kamasutra. Dans ce monde ici. Ok, le lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous verrez ces choses, et tant que vous voyez, sachez que je viens bientôt. Et ce sont ces choses-là qui ont anticipé le jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Ce sont ces choses-là qui ont fait que Dieu puisse tuer le monde à l'époque de Noé. L'iniquité s'était accrue. Aujourd'hui dans Sodome, il y a des termes comme sodomie. Les Sodome et le sodomie. Des noms qui sont restés dans l'histoire du péché. Et ma combo etika na bisolo na mazisu. Sodomisé. Malgré que on a détruit etika le mokili. Alléluia. Et aujourd'hui, l'iniquité dans ce monde, l'occultisme, Soloka. D'ailleurs, Dieu a dit ceci. Bongo, yes, quand vous verrez l'abomination, la désolation établie dans le lieu saint, dans l'église, des faux prophètes. Je suis allé en Angola, j'étais étonné de voir combien des hommes de Dieu, ça donne à la magie, ça donne à l'occultisme, pour une célébrité éphémère. Pour gagner pendant 20 ans seulement, pour 10 ans seulement, je vends mon âme à l'enfer, je sers le diable. Pendant que je vous parle, à Oklahoma, on a élevé une statue du diable. J'ai le mis sur mon mur de Facebook. Il y a des gens qui viennent, des femmes américaines, qui disent vive Satan, vive Satan. Ils ont mis son image de Baphomet. Ils adorent. Liberté, liberté. Chacun est libre d'exprimer son choix. Moi j'aime le diable, il m'a béni. En Amérique ça s'est fait aujourd'hui. Et on l'a fait à Oklahoma. Là où Kenneth Hagin, là où T. L. Osborne ont prêché le réveil. Là où comme Bob Hoskin ont prêché le réveil. Et il y avait la gloire de Dieu. Si El Osborne a amené le message à même au Congo, dans leur village, dans leur cité d'Oklahoma, c'est là où on va mettre les statues du diable, où les gens viennent avec des trucs rouges. Vive le diable, vive le diable. Quand vous verrez ces choses dans le lieu saint, dans le centre de réveil, même à l'église, faites attention, dit Jésus. Faites attention. Faites attention. Vous verrez des faux prophètes qui viendront pour séduire avec des faux miracles, avec des choses nuisibles. Alléluia. Amen. Le passé m'a parlé d'un homme qui de Dieu de ces pays qui parle des intronisations. On doit t'introniser, on doit t'initier. Frère, Dieu a mis tambola ta. Le passé, il a dit à sa femme, là, je ne te permets jamais que tout homme de Dieu t'impose la main. C'est pas n'importe qui doit t'imposer les mains. Le monde est pollué. Le monde est pollué. Faites attention de ce que vous enviez à la télé. Faites attention des miracles que vous aimez. Le sable qui devient le sucre, faites attention. Le diable peut le faire. Faites attention avec des prophéties tic tac, sans fruit de l'esprit. Alléluia. Il vient
s'enivrer, il vient vous prophétiser. Il vient d'un hôtel, il vient vous prophétiser. Faites attention. Dieu travaille dans la sainteté. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Toi qui aimes les miracles partout, partout. Là-bas, tu auras les yombo. Jésus, il aura des faux prophètes. Ils seront nombreux avant que je vienne. Alléluia. Aza grand homme de Dieu. Église au baza 30 millions nzambe nzamba za au. Vas-y. Kende. Vas-y. Kende. Vas-y. Kende. Kende. Ozo yombo. Alléluia. Dieu a dit soyez courageux, soyez bénis, petit troupeau. Vous avez les véritables. Vous avez connu le vrai. Petit troupeau. Qui vous a dit que ce qui est petit n'est pas de Dieu? Que ce qui est de Dieu, c'est ce qui est grand. Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Qui vous a dit que là où il y a les temples, c'est là où Dieu est? Qui vous a dit que là où il y a beaucoup de voitures, c'est là où Dieu est? Est-ce que le voiture vient du ciel? Le voiture vient des hommes. Parfois des hommes occultistes. Parfois Toyota, mais cette Toyota était occultiste. Mazda était un bouddhiste. Alléluia. Qui vous a dit que ces choses viennent du ciel? Toi à Dieu. Beaucoup vont aller chercher les fétiches. Il y a des gens parfois quand tu parles de Dieu, ils tu veux pas. On ne peut pas les attirer. Donc il y a pour nous voyer à Kangama. Il faut beaucoup boire clair de qui là, ce bolé là est sonné. De qui là? De qui là? De sauter même au prier langue. Saint Esprit vient. Bobeng se yaka yeso lingu akoyate. Faut vraiment jouer un moment du Yaka. Et les gens sont comme cela. Vous priez en langue. La gloire est dans l'église séminaire à côté. Quand tu as la qualité, tu as la qualité. Tu as chaque jour, tu as la qualité. Tu as la qualité. Tu as 45 jours. Eh! Nous, on a fait comme ça pour t'avoir mardi. J'ai un mardi, ton salaboy. Ndegila. Alléluia. Bako kangayo. Pour conclure mon message, Jésus dit ceci. Le verset 13. Verset 13. C'est lui. Oyo. Mais c'est lui. Kasi oyo. Qui persévérera. Wako ikampiko. Il ne parle pas de ceux. Azoba oyote. Il parle pas des gens. Il parle de celui qui persévérera malgré ces choses. Il ne parle pas de l'église. Il ne parle pas de la commission. Il ne parle pas des départements. De celui qui persévérera. C'est une individualité. La foi est personnelle. Salut est personnel. Le salut n'est pas communautaire. Le salut n'est pas départemental. Salut, c'est quand tu crois personnellement. Dans ton cœur. Tu n'as pas raison. Tu dis parce que mon kamlanga a pengui. Mon frère, ce qui a pengui, salut est personnel. Alléluia. Si moi je renonce à Jésus, vous n'avez pas le droit de renoncer. Pour dire que celui qui nous a prêché a perdu la foi, nous on commence à faire aussi comme lui. Si vous le faites, vous me suivrez en enfer. Si ton responsable qui t'a montré la sainteté commence à te conduire dans l'hôtel, tu as le droit de dire non au nom de Jésus Christ. C'est lui qui persévérera. Ne dis pas parce qu'il m'a enseigné, il peut me conduire n'importe où. J'ai marqué à l'église. Il y a de l'église. Quand il probassait, bandi pasteur. La seule sœur qui m'a parlé, qui m'a proposé, c'est la sœur Grâce Ipan. Alléluia. La plupart des sœurs. C'est pas une révélation. Qu'est-ce qui fait que malgré autre bataille, pour la bonne église. Qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un qui a onctionné Nango? Et pas quoi ni ça la kebolo bagate wana. Alléluia. Et ça a onctionné Nango wana.
Oh bah le bagabino de on dit Ezakani nango qui nous motoninam auto faiblesse. Est-ce qu'on est contre votre mariage? Qui bénit votre mariage? Nana pambo la galiba na bino le question. Qui bénit votre mariage? Nana pambo la galiba na bino. Si on dit que bon lo bana bosu ka manzi la bosu ka ka bon atinel boya awate, est-ce que tu seras contente? Oko se perso va le bongo. Alors mais comment est-ce que à l'église? L'église ça wa. Prochainement je citerai les noms. Mbale ko ya. Bumoni se o balingana. 3 ans na yebaka tena ko yebanga mikolo. Alléluia. Na ko lobaka na micro na Sero Yoki. Do tipo mona ka yeboye. Ye lo kote. Amen. La foi est personnelle. Il faudrait que qu'on puisse tu puisses garder ta foi personnelle. Et pour persévérer, il faut du courage. Il faut courage pour persévérer malgré ce qu'on a vu dans le monde. Pour persévérer malgré l'iniquité, malgré les hôtels, malgré des choses bizarres, malgré des choses bizarre. Je continue à persévérer. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Mpiaka, mais tu dis non à l'impudicité. Il faut avoir du courage. Pour dire que ce sont les courageux qui seront sauvés. La foi demande du courage. Il te faut du courage, mais il faut aussi t'offrir comme le don. Et Sengeli kozana kasa mi pesa pe lokola likaba. Si vous mi pesa te pa nzambo kokate, okokatana, tu ne sauras pas. Avec ce monde ici. Na mokilo yo. Avec le monde, avec tous ces biens qu'on voit. Na biloko nyonso tozomona. Avec toutes ces fashion. Na ba fashion. Avec toutes ces jeeps. Na ba jeep nyonso. Jeep te jeep. Jeep. Alléluia. Avec tous ces faux de terre. Na ba faux de terre nyonso. Un homme nous a fait rire sur Facebook. Il a mis la photo d'une fille. T'as là un bouton, t'as là comme une vieille. De l'autre côté, bah, coco. Bah maquillée. Est-ce qu'on me souce bah bongisi? N'enga koma qui? On dirait américain, babi. Zambi. Ces produits peuvent te changer de comme ça, comme ça. Alors, les produits au Congo-là, vous savez qui beaucoup m'a boyé. Abi les hommes, vous êtes en danger. Les bande comme bah les bokeba. Parce que ces produits existent. Un visage comme une sorcière, comme un mannequin. Et longi loko la makoko a komi loko la. Soba tika mai. Réalité zogi. Chamazou nous peut devenir comme. Soba tika mai. Donc nous sommes dans un monde superficiel. Tozana mokili oya makamba likoli kolo. On peut mettre une perruque. Rotia perruque. On peut ajouter une dent. On peut ajouter les ongles. On peut prolonger les. On peut acheter tout. Le superficiel. La réalité devient minime. C'est un monde superficiel. Alléluia. Ou de l'apparence. Ce qui est vrai est caché. Et dans ce monde, mon frère, ma soeur, sois vrai avec le Seigneur. Que ton que lui appartienne. Sinon tu seras superficiel. Que Dieu nous bénisse par rapport à sa parole. Ce matin Dieu nous a parlé encore. Ce matin, Dieu nous a parlé encore. Pourquoi tu es dans la foi chrétienne? Pourquoi tu es en ces lieux? Pourquoi ce matin, tu as quitté ta maison, tu es venu en ces lieux? L'attends-tu? Ou bien tu fais autre chose? Tu veux autre chose? Ne parle pas d'enfer. Ne ratez pas le ciel. Jésus viendra. La fin est bientôt. Il arrive.
avec la rétribution. Ne te réjouis pas au péché. Ne te réjouis pas à l'iniquité. Ne te réjouis pas au mal que tu fais. Le danger, c'est quand tu appelles le péché le bien. Quand tu aimes ce que Dieu est, quand tu es ce que Dieu aime, ce matin il te parle encore. Il t'a encore interpellé. Il a besoin de toi. Il a dit que si il tarde à venir, l'apôtre Pierre dit que c'est pour que tout le monde puisse accéder au salut. Il ne fait pas voir des gens aller à l'enfer. L'enfer n'a pas été préparé pour toi. L'enfer a été préparé pour le diable et le démon. Dieu n'a jamais pensé voir les hommes dans l'enfer. C'est parce que l'homme a choisi le diable qu'il va aller avec lui en enfer. Dieu veut te voir au ciel avec lui. Yes. Ce matin, si tu veux mettre ta vie en ordre, tu as remarqué que tu marchais pas comme le Seigneur voulait. Tu étais le maître de ta vie. Dieu ne contrôlait pas toutes choses. Ce matin, tu dis, Seigneur, je donne même des restes et des parties de ma vie. Prends tout de moi, Seigneur. Prends tout afin que je sois prêt quand tu viendras. Prends tout pour que je sois prêt quand tu viendras me chercher. Ce monde sera détruit dans peu de temps. Je vais être éternellement avec toi, Seigneur. Si telle est ta prière en ce lieu, ce matin là où tu es, tu peux te tenir debout là où tu es. Nous voulons prier avec toi en ce lieu. Si ce matin tu peux te dire, c'est de prendre la partie qui était restée. Je ne vais plus conduire ma vie comme je veux conduire. Je ne vais plus diriger ma vie comme je la dirigeais. Ce matin, prends tout dans mon cœur. Ce matin, prends tout, Seigneur. Que ce jour, quand tu viendras, Seigneur, que sois prêt à te rencontrer, Adonai. Que sois prêt à te rencontrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je refuse d'aller en enfer. Ce matin, si tu es là, écoute sa voix. Le monde est vers la fin. Le monde est vers la fin. Tu veux mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Écoute sa voix enseignée. Il t'interpelle encore. Il t'appelle encore. Tu peux être hypocrite devant l'église. Tu ne seras jamais hypocrite devant lui. Tout est mis à nu devant lui. Il voit la fourmi noire sous une pierre noire. Il connaît toutes choses. Il sonne les profondeurs. Il sait où tu étais hier. Il te tient la main. Il te tend la main. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Ne crache pas là-dessus. Ne refuse pas cette tête. Parce que ce qui viendra demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être peut-être cette nuit, il viendra. Ça peut être demain. Ça peut être je ne sais pas quand. Tu veux mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es debout. Que Dieu te bénisse, toi qui es debout, ma soeur. Peux-tu élever ta voix devant le Seigneur? Peux-tu dire, Seigneur, je suis venu comme ce fils est prodigue. Je suis venu vers toi. Père, accueille-moi. Papa Yambangai. Père, accueille-moi. Papa Yambangai. Lave ma vie. Purifie ma vie. Éloigne l'iniquité vers moi. Loin de moi, Seigneur. Par la cellule qui est présente ces lieux. Tu peux confesser un péché. Si tu n'as pas encore reçu Jésus Christ, tu vas le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il vient bientôt. Il connaît ce qui lui appartient. Si tu ne l'as jamais reçu, tu ne l'appartiens pas. Jusqu'à ce que tu reçu dans ton cœur qu'il puisse entrer comme Seigneur et Sauveur. Il vient bientôt. Veux-tu le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur? Korashanda Brobanda. L'ancien Eddie vient, il va prier pour ceux qui sont des bons lieux. Yesharabara Brobanda. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Jésus.
Et nous te bénissons le Tout-Puissant, Seigneur, ce matin. Yahweh, toi, Seigneur, qui nous a au plus profond, Seigneur, de toi-même. Yahweh, ce matin, Adonai. Yahweh, toi qui nous a interpellés, Seigneur, à suivre le droit chemin. Yahweh, à comprendre, Seigneur, que la terre, Seigneur, atteint, Seigneur, ces dernières heures, Adonai. Et que tout, Seigneur, Père, sera détruit, Adonai. Nous te bénissons ce matin, le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a parlé, Seigneur, à travers ton serviteur que tu t'es choisi, Seigneur, en ce temps, Adonai. Yahweh, Père, Yahweh, aide mon frère, ma soeur, Seigneur, ce matin, à être, Seigneur, des enfants, Seigneur, intelligents. Yahweh, ceux qui comprennent, Seigneur, Yahweh, le temps qu'il faut. Yahweh, pour faire le sens qu'il faut, Adonai. Yahweh, toi qui veux nous conduire, Seigneur, Yahweh, dans le chemin de la vérité, parce que toi-même, tu es la vérité. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, Jésus. Oui, toi qui as besoin de la prière ce matin, qui n'as pas eu honte devant les hommes. Toi dont le message a touché particulièrement. Toi qui crois que Jésus revient bientôt. Toi qui crois que le Seigneur t'a parlé ce matin. Toi qui veux un nouveau départ avec lui ce matin. Lui qui est l'ami fidèle. Qui connaît tes côtés positifs et tes faiblesses. Mais tu vois que ça ne marche pas seul. Et tu veux prier avec moi ce matin. Tu élèves tes mains à moitié. Et tu répètes cette prière avec moi ce matin. À dire Seigneur Jésus-Christ, ce matin je viens devant toi. Je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes. Je reconnais comment est-ce que j'ai été têtu par rapport à ce que tu m'as dit hier. Par rapport à ce que tu m'as dit avant, par rapport à ce que tu m'as dit avant, par rapport à ce que tu m'as dit avant, par rapport à ce que tu m'as dit avant, par rapport à ce que tu m'as dit avant, par rapport à ce que tu m'as dit avant, par rapport à ce que tu m'as dit avant.